lesnautisbleus.com. Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Dead is dead. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! This is Mission Control. 2049 transmission concluded. Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle? Pas moi. Imaginary timeless like another direction in space. Oxymute. Le grand débarras. Épisode 8. Dernier préparatif. On se rapproche du but. Tous les vaisseaux sont prêts, l'équipage est quasiment constitué. Il y a à peine quelques semaines, on en était encore loin. Le clone défectueux ne se manifeste pas. Peut-être s'est-il éteint de lui-même après tout. Ce serait le mieux pour nous. Il faut quand même continuer à le chercher. Alors, il y a aussi ce remue-ménage autour de cette portion de code non identifié qui tourne dans le programme central. Bon, personne ne m'en a parlé, mais bon, je sais lire, figurez-vous. Mais surtout, on ne sait toujours pas où on va. Peu importe, il va falloir motiver les troupes. Je suis Kanitoshi, et je vais recréer le monde. Pensez qu'il va venir en personne ? Ça m'étonnerait. Logiquement, en tant que responsable du projet, il devrait être le dernier à quitter la Terre. Et puis il sort pas souvent de son bureau, il faut bien dire. Oui, plutôt solitaire, ce monsieur Kani. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que c'est que... C'est vous, l'équipage du Margarita ? Une partie seulement. L'avant-garde, en quelque sorte. Je suis Mimil. Emil Born, le superviseur du Margarita. Vous pouvez m'appeler Mimil. Vous savez peut-être qui c'est qui nous a réunis ici. Il y a quelqu'un qui va causer ? Très probablement Kani-san, vu la solennité de la convocation. Kanitoshi ? Le Big Boss ? Il est ici ? Je ne pense pas. Il fera sans doute une holoconférence. Une holo ? D'ailleurs, ça commence. Oui, c'est bien lui. Bonjour à tous. Je suis Kanitoshi, et j'ai l'honneur d'être à l'origine du projet sur lequel vous travaillez depuis des mois pour certains, des années pour d'autres. C'est un projet complexe. Long, mais vital pour notre avenir. Vous en êtes conscient. Je le sais. Ouvriers, techniciens, scientifiques, superviseurs, membres d'équipage, vous vous battez tous et toutes pour la même cause, le même objectif. Sauver l'humanité d'un péril inéluctable. Inéluctable quoi ? Chut ! La Terre est perdue. Définitivement. Depuis trop longtemps, les hommes jouent avec leur environnement, négligent leur futur, ignorent les avertissements. L'irruption de l'énergie trouble dans notre écosystème a marqué le point de non-retour. C'est fini. Les plus grands chercheurs, les prévisionnistes les plus renommés, comme ceux de l'Institut FALT-JP, sont catégoriques. La planète est vouée à l'explosion. C'est vrai qu'il l'avait dit. Nous ne pouvons plus repousser l'échéance. Mais grâce à votre travail acharné, grâce à votre obstination, grâce à votre solidarité, nous pouvons trouver une issue. Nous pouvons reconstruire ailleurs, sur des bases plus solides. Notre projet est sur le point d'aboutir. L'heure est venue de prendre en main notre destinée. Tout n'est pas encore prêt, bien sûr. Mais si vous ne vous relâchez pas, si vous redoublez de vigueur, si vous gardez votre enthousiasme, alors ce n'est plus qu'une question de semaines, de jours peut-être. Très bientôt, le grand débarras va pouvoir commencer. Vous, sur ce vaisseau, serez le fer de lance de la reconquête. Les pionniers du nouveau monde. Bientôt, nous allons prendre ensemble le chemin des étoiles, vers une terre nouvelle, pour une vie nouvelle. Ensemble, mes amis,
Nous allons recréer le monde. Excusez-moi, vous êtes l'enseigne Flux ? Oui, c'est moi. C'est bien vous la responsable de la construction de la flotte ? Oui, et vous êtes ? On se connaît pas, mais je m'appelle Pythagore, je suis développeur pour la flotte. Ah, Pythagore les doigts d'or, c'est ça ? Vous savez qui je suis ? Je connais votre réputation, en tout cas. Ah, elle est bonne, j'espère. Votre réputation ? Oui, excellente, rassurez-vous. Est-ce que vous avez 2 minutes, là ? Je voudrais vous parler d'un truc. Je vous écoute. Voilà. Je travaille dans un module orbital, je code toute la journée, et l'autre jour, j'ai remarqué un truc pas normal. Pas normal ? Oui, une portion de code inconnue. Inconnue ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais pas, je me souviens pas l'avoir tapé, je comprends pas le langage qu'il utilise, et je sais même pas d'où ça vient. Et qu'est-ce que vous en avez fait ? J'ai pas eu le temps de trop travailler dessus ou chercher plus loin. Je l'ai envoyé à la supervision avec le reste du code pour vérification. Vous avez bien fait. Oui, mais j'ai pas eu le temps de les prévenir, en fait. Donc je sais pas ce qu'ils en ont fait à la supervision. Mm-hmm. Qui est votre superviseur ? Émile Born. Mimile ? Oui. Je vois. Je sais pas si c'est à vous que je dois en parler, mais ça me tracasse cette histoire. J'ai peur que Mimile fasse pas grand-chose. Vous avez bien fait, Pythagore. Je vais m'en occuper. Merci. En fait, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Oui, peut-être. En tout cas, je vais vérifier. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vous êtes demeure sur le Margarita maintenant ? Oui, tout l'équipage est en train de s'installer. Vous avez entendu Kanisama. Le départ est pour bientôt. Et vous, avec votre module, comment ça va se passer ? Les modules sont pas prévus pour des longs trajets. Je dois aller le chercher pour le rapatrier à bord d'un navire porteur. Et on voyagera comme tout le monde. Ça vous fera un peu de compagnie pour une fois. Oui, ça va me changer. Comment vous le sentez, vous, ce voyage ? Je l'attends avec impatience et beaucoup d'excitation. Pas vous ? Vous savez, moi, c'est pas vraiment mon truc, l'enthousiasme. Faut toujours que je me tracasse pour quelque chose. Allez, je vous assure que tout va bien se passer. Je dois dire, Sergent Buck, que votre recommandation me laisse perplexe. Et pourtant, c'est le meilleur choix, commandeur, croyez-moi. En tout cas, je veux dire, si j'étais vous, c'est lui que je choisirais. Ouais. Vous êtes sûr qu'il a les qualités requises ? Certaines. Ouais. C'est vrai que j'avais des doutes au départ, mais à force de le voir à l'entraînement, je peux vous le dire, il en a sous les bigoudis. C'est vrai, écoutez, vous avez tous supervisé sur le terrain, vous êtes sans doute la mieux placée pour juger de leurs capacités. Et donc, selon vous, c'est lui qui sera le meilleur chef pilote ? Sans aucun doute, commandeur. Bon. Je vais faire confiance à votre jugement et nommer l'élève officier Inuo Toko Alpha chef pilote du leadership Margarita. Bien, monsieur. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Et vous êtes vraiment sûr qu'au point de vue langage, il arrivera à se faire comprendre des autres ? Vous inquiétez pas, commandeur. Il a beau aboyer, il est pas chien, ce clone. Hein ? Tu avances toujours aux confins de la nuit. Le feu s'est éteint, on finit la patience. Graise. L'amour s'en souvient. Et là, dans la salle du réacteur central, vous pensez que c'est un endroit où il pourrait être bon, le réacteur ? Pourquoi pas ? Allez savoir. Pourrais-je oublier le son de cette voix qui contribue à répondre à la lumière et de la lumière présence ? C'est chaud, il y a du bruit. Ils aiment bien ça, les clones. Pas tous. Non, mais je veux dire les pas finis, les défectueux. Vous sentez pas visé à chaque fois que je parle des clones ? Non, je me sens pas visé. J'aime pas trop les généralités, c'est tout. D'accord, je ferai attention. C'est donc ça le générateur central ? Ah, c'est drôlement grand quand même. Je suppose qu'il faut bien ça pour alimenter toute la base. Et comment ça marche ? Ah ça ? J'en sais rien, moi. Comment voulez-vous que je sache ? Mon taf, c'est de m'occuper des clones au pilon, hein, pas de faire tourner la boutique. Vous voyez quelque chose, vous ? Quelque chose ? Oui, des traces, un indice, du fluide végétal ou un truc comme ça. Vital. Du fluide vital. Non, je vois rien de ce genre. Mais ça prouve rien. Si ça se trouve, il est parti. Vous croyez ? En tout cas, on l'a vu nulle part. Oui, bien sûr.
Peut-être qu'il est crevé dans un coin. Ça met combien de temps, les défectueux? Ah, il n'y a pas de règle, ça dépend des cas. Ça dépend de leur état, du niveau de défectuosité. Bon, écoutez, il n'y a rien de plus à faire ici, on repart. Pour moi, l'affaire est entendue. Il a disparu, le zigoto. Il s'est fait la malle. Si vous le dites, si vous le dites. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être qu'il n'est pas là, mais il n'a pas disparu. Ah bon, il n'a pas disparu? Bah, ça disparaît pas, un clone d'œuf. Ça s'arrête quand c'est à court d'énergie. Ah oui, ça s'arrête, comme ça. Bah oui, comme ça. Quand c'est défectueux, ça se dégrade petit à petit, et puis ça s'arrête. Bah moi, je crois qu'il s'est arrêté, et puis c'est tout. Si vous le dites, si vous le dites. Pourrais-je oublier l'attente comblée, le temps ramassé sur moi-même, le jour jaillissant de chaque parole dite, le long embrasement de la durée conquise? Sève, ma soif s'en souvient. Merci de me recevoir, ingénieur. Je n'en aurai pas pour très longtemps, mais je crois que c'est important que je vous en parle. Je vous écoute, insane. Un développeur de la flotte m'a fait part d'un problème de codage qui le préoccupe. Mais peut-être êtes-vous déjà au courant, d'ailleurs. Continuez. Quelque part dans le code qui fait tourner le système informatique de la flotte se trouvent quelques lignes dont on ne sait pas qui les a implémentées, dans quel langage elles sont rédigées, ni à quoi elles servent. Ces lignes ont échappé à notre surveillance et on ne sait plus désormais où elles sont. Et ça vous inquiète ? Pour parler clair, je crains qu'un virus n'ait été introduit dans notre système. Un virus? Ce n'est peut-être qu'une erreur de manipulation sans conséquence. Mais si c'est effectivement un virus, il me semblait utile de vous prévenir. Je vois. Et selon vous, que conviendrait-il de faire? Pour parer à toute éventualité, il faudrait lancer une vérification générale de tous nos systèmes vitaux. Même si ça doit nous faire prendre encore plus de retard dans le programme. La sécurité avant tout, monsieur. Vous avez bien fait de venir me voir, Ancien Flux. Votre esprit d'initiative vous honore. Voulez-vous que je prenne les mesures nécessaires, ingénieur? Ne vous inquiétez pas pour ça, Ancien. Je vais gérer cette crise, en direct avec le Service Protection and Security. Continuez votre travail comme d'habitude. À vos ordres. Ah, encore une chose, Ancien. Monsieur? Cette conversation reste entre nous, n'est-ce pas? Ça ne doit pas s'ébruiter, nous sommes d'accord? Bien compris, ingénieur. À vos ordres. Dismiss. Oui. Kenny-san, j'ai de nouveau pour vous. De bonnes nouvelles, j'espère. Très bonne. Ah. Les préparatifs sont terminés. Oui. La flotte est prête à partir. Ah. Les travaux de construction sont terminés? Terminés. Les vaisseaux sont équipés? Équipés. Et les réservoirs sont remplis? Remplis. Et la tête? Et la tête. Et le bec? Allouez. Eh ben, mais vous avez raison, c'est une vraie bonne nouvelle. La production d'énergie trouble est nominale. Nous pouvons partir quand vous le voudrez. Reste quand même à décider pour où. Pour où? Pour quelle destination, je veux dire. Ingénieur, vous êtes toujours là? Je suis là, Kenny-san. Toujours pas de résultat dans la recherche d'exoplanètes? C'est encore, Kenny-san, c'est encore. Et cette histoire de code mystérieux? Ingénieur O'Quinn, vous m'entendez? Je vous entends, Kenny-san. C'est curieux ces problèmes de liaison quand même. Je vous demandais où en était cette histoire de code. C'est réglé, Kenny-san. Le problème est résolu. Bon, si vous le dites. Le commandeur peut donc prendre possession de son vaisseau. À tout moment, l'équipage est déjà à son poste. Très bien, bah je vais le prévenir. Laissons les choses suivre leur cours naturel, ingénieur. Hein. Plus vite nous serons partis. Plus vite nous serons arrivés. Je vois ce que vous voulez dire, Kenny-san. Oh.
check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Kanitoshi à Delta Commandeur, vous m'entendez? Parfaitement, Kanisama. J'écoute. Commandeur, vous allez bientôt prendre le contrôle du leadership Margarita à la tête de la flotte spatiale. Bientôt, le sort de l'humanité sera entre vos mains. Merci, Kanisama. Ça ne me met pas du tout la pression. Tel que vous avez été conçu, la pression ne devrait pas être un problème pour vous. Certainement, monsieur. Sachez que je ferai le maximum pour me montrer à la hauteur. Commandeur, le reste de nos pionniers ne tardera pas à vous rejoindre, moi y compris. D'ici là, vous avez le temps de prendre en main le vaisseau amiral et de préparer notre départ. Je vais m'y efforcer, Kanisama. Vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Bien reçu. J'en termine, contrôle. Je voulais simplement vous rappeler, commandeur, qu'une fois en poste sur le Margarita, vous serez le décisionnaire ultime, vous le savez, pour tout ce qui ressort de la vie à bord et de la sauvegarde de l'ensemble de la flotte. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous semblerait contraire à votre mission. À vos ordres, monsieur. Non, les ordres, c'est vous qui les donnez désormais. Bien compris, Kanisama. À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Déjà la formule. Aller à Jacta quelque chose, non? En tout cas, voilà, les dés en sont jetés. Plus question de reculer. Prêt ou pas prêt, c'est pareil. Bon, maintenant, tout sera question d'adaptabilité. Et nous n'en manquerons pas. La suite de notre aventure va se dérouler là-haut, désormais. C'est à nous, les derniers qui sommes encore sur Terre, et plus bon longtemps, que reviennent les ultimes préparatifs. La fin de ce monde est proche, plus que jamais. Nous ne devons plus être ici quand elle surviendra. Oxymute, le grand débarras. Écrit et réalisé par Walter Pouf. Sur une musique de Phaéton. Avec Monsieur Schmock, Quam, Constance Vavavoum, Starlet, Violette Flux, Anowan, Emile Born, Hervé Quaral, Kanitoshi, Phaéton Bougre, Pythagore Les Doigts d'Or, Puff Magic Fingers, Delta Commander, José, Finbaker, Audrey Buck, Mogor, Le Dev Clone, Naïd, Omega 3, Kenton, Simone Kedalu, Herculea, Stephen O'Quinn, Fred, Contrôle, François TJP. À suivre. L'inaudible.com